Et pour cette formation Ineos-Grenadier, nous avons décidé de mettre quatre coureurs en avant qui pour nous étaient les plus à même de remporter un grand tour, ou du moins bien y figurer. Le premier coureur, c'est Egan Bernard. Le choix fut très compliqué puisque Ineos possède une véritable armada en montagne. Cependant, le Colombien qui sort d'une saison blanche suite à sa grave chute qui aurait pu lui coûter bien plus d'une simple saison de cyclisme, participera en 2023 à la Vuelta San Juan International à Paris-Nice à la Volta Ciclista à Catalogne, le critérium du Dauphiné, avant d'enchaîner avec le Tour de Suisse et le Tour de France. Le second coureur, c'est la pépite espagnole Carlos Rodriguez, à seulement 21 ans, celui qui pour le moment n'a que la Volta à son programme en 2023, sort d'une saison 2022 extraordinaire. Il s'était classé troisième de la Volta Comunitat de Valenciana, quatrième de la Ruta 2 deuxième de la Route d'Occitanie et champion d'Espagne. Enfin, il s'était classé septième de la Volta. Autre coureur et non des moindres, de nouveau à Colombia, c'est Daniel Felipe Martinez. Il sort d'une saison extraordinaire, lui aussi, avec une troisième place sur la Volta à Ouagarve, une troisième place sur Paris-Nice, vainqueur de Itzulia Bass Country, avant de se classer cinquième sur la Freshwagon et quatrième sur liège basse liège Il était coéquipier de Guerin Thomas sur les routes du tour et avait remporté la Coppa Sabatini en fin de saison. Le dernier coureur, c'est donc bien évidemment Geraint Thomas. A désormais 36 ans, le Britannique, déjà vainqueur du Tour de France, participera en 2023 au Santos Tour d'Arlander et au Giro d'Italia, qui devrait être son dernier grand tour. Il a précisé qu'il chasserait les victoires d'étape et si l'opportunité de remporter la tunique rose est possible, il fera tout pour. La saison dernière, en 2022, il s'était imposé sur le Tour de Suisse et avait terminé troisième du général du Tour de France. Et il s'était classé sept fois dans le top 7 sur les différentes étapes. Et pour cette formation Néo-Grenadier, nous avons décidé de mettre en avant quatre nouveaux coureurs dans une toute nouvelle section que nous avons appelée Couteau Suisse. En d'autres termes, ce sont des coureurs qui sont capables de gagner tant sur des contre-la-montre que sur des étapes du grand tour que sur des étapes d'un plus petit tour de plus ou moins une semaine, mais également sur des courses d'un jour ou des classiques. Le premier coureur, c'est Filippo Ganna. En 2022, il s'est imposé sur les contre-la-montre de l'Étoile de Bessèges, du Tour de Provence, de Tirreno-Adriatico et du Critérium du Dauphiné. Sa plus belle victoire restera son titre de champion d'Italie du contre-la-montre et sa présence est justifiée par le fait qu'il avait déjà remporté une étape du Giro, la cinquième en 2020, qui n'était pas un contre-la-montre. En 2023, nous aurons droit à un calendrier pour Ghana qui commencera par la Volta à San Juan International, avant d'enchaîner avec la Volta à Ouagarve. Ensuite, ce sera Tireno-Adriatico, milan San Remo, gorve Game, Paris-Roubaix. Et ce sera enfin au mois de mai le Giro d'Italie. Le second coureur que nous avons décidé de mettre dans cette catégorie, c'est Taiman Aronsman. Il est capable de gagner sur des courses d'un jour, mais également sur des grands tours. En 2022, il avait fait une sixième place sur Tirreno adriatico une troisième place sur le Tour des Alpes. Il s'était classé 18e seulement du Giro et 6e de la Vuelta, mais il s'était imposé sur une étape. En 2023, sa seule participation actuelle est le Giro d'Italie. Le troisième coureur, c'est sans doute le coureur couteau suisse par excellence, c'est Mirag Kiatkowski. Le Polonais, qui s'était imposé sur Amsteg en 2022, aura l'occasion en 2023 de faire Strade Bianche, Milan-Soremo, E3 Saxe Classic, Grand River Game, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, amsterdam la Flèche Wallonne et liège bastogne liège Rien que ça. Et connaissant les qualités de rouleur du Polonais, il y a de fortes chances qu'il participe à d'autres courses en 2023. Le dernier coureur, c'est Thomas Pitcock. À l'aise, tant sur route que sur cyclocross, le Britannique avait terminé troisième de à travers la Flandre et il s'était imposé sur une étape du Tour de France. De plus, en fin de saison, il s'était classé deuxième du Tour of Britain. En 2023, il participera à Strade Bianquet, au Tour des Flandres, à l'Amsterdam-Dresde, à la Flèche à Liège, bastion de liège et au Tour de France. Aucun doute, le champion de cyclocross n'aura aucune autre alternative que remporter au moins une course. C'est son objectif. Il veut gagner une classique cette saison. Et pour cette formation Neos Grenadier, nous avons décidé de créer une toute nouvelle section qui s'appelle La Jeunesse au pouvoir. En effet, en plus d'avoir une véritable armada... Pour la montagne et les grands tours, la formation britannique peut se targuer d'avoir de nombreux jeunes talents, à commencer par Ethan Hayter, 24 ans. En 2022, il s'était classé quatrième de la Volta à Walgarve et s'était imposé à deux reprises sur les routes du Tour de Romandie. De plus, il était champion de Grande-Bretagne du contre-la-montre et s'était imposé sur les routes du Tour de Pologne. En 2023, actuellement, il n'y a que le Santos Tour Down Under à son programme. Course à laquelle il participera avec son frère Leo Heiter, 21 ans. On aurait pu également le citer dans cette section, mais il y a tellement de jeunes talents que c'était difficile de pouvoir tous les départager. Le deuxième coureur, c'est Luc Plapp, à 22 ans. C'est un talent en Australie. En 2022, il était champion d'Australie et s'était classé troisième du Tour de Norvège. Lui, sa saison a déjà commencé en 2023 puisqu'il conserve son titre de champion national d'Australie. Il aura la chance d'arborer fièrement sa tunique sur le Santos Tour d'Anlander un et la Evans Great Ocean Road Race. Le troisième coureur, c'est Magnus Sheffield. Il a juste 20 ans. La saison dernière, il s'était imposé sur la flèche Brabantson. Il avait terminé deuxième des championnats des États-Unis et troisième des championnats des États-Unis du contre-la-montre. De plus, il termine deuxième du Tour du Danemark. En 2023, actuellement, il n'y a que le Santos Tour à son programme. Et le dernier coureur, c'est le coureur de 23 ans, Ben Turner. En 2022, c'était une huitième place sur à travers la Flandre, une quatrième place sur la Flèche brabonsonne une très belle onzième place sur les routes de Paris-Roubaix. Et il termine deux fois dans le top 4 sur la Volta. Pour le moment, nous n'avons pas encore de course à son programme pour 2023. Enfin, nous aurions pu également parler de la Pépite Joshua Tarling, tout juste 18 ans. Le Britannique n'a malheureusement toujours aucune course prévue à son calendrier. Donc c'est de nouveau un coureur sur lequel il faudra compter. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas vous en dire plus pour le moment. En tout cas, la formation Ineos grenadier possède vraiment un... Très bel avenir et il faudra compter sur eux dans les années à venir.